Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. C'est vrai, le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est un sujet important parce que nous avons l'habitude véritablement de tout mettre sur la place publique. Les poètes, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, disaient, les poètes bien de chez nous disaient « Moka Touba Touba », diarrhée verbale. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je crois que ça commence à dépasser les bordes. Ce sujet, nous allons l'aborder avec vous. Suivez-nous bien et poursuivez cette discussion autour de vous afin que nous puissions changer. Parce qu'on dit que dans les relations internationales, dans ces rapports-là, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a que des intérêts qu'on suit. Alors si nous sommes tout bas partout, là où nous allons, eh bien, nous promenons, nous pensons que nous sommes habillés alors que nous ne le sommes pas du tout. Pour discuter autour de ce sujet important, Maître Magala, bonsoir et bonjour Maître. Bonsoir et bonjour Monsieur Kibam. On vous a donné quelques temps pour vous reposer, vous vous êtes bien reposé. N'est-ce pas, mon cher Boni Gaba, modeste? Oui, je crois qu'effectivement, il a passé un séjour très reposant. Dans le Kivu. Dans le Kivu. Voilà pourquoi il rentre avec cette fraîcheur. Quand je dis dans le Kivu, je parais un peu vieux parce que c'est découpé maintenant. C'est à Bukavu plus précisément qu'il a été. Alors, vous, Norbert Yambayamba, vous n'étiez pas à Bukavu, mais vous étiez à l'intérieur du pays. Où exactement? J'étais, merci d'abord pour l'invitation, j'étais à Lubumbashi, puis à Kolwezi, où j'ai été accompagné les nouvelles institutions provinciales à consolider leur ancrage territorial et institutionnel, dans la perspective de pouvoir booster ces provinces-là. C'est la mise en œuvre vraiment de la décentralisation. Merci, chers amis. Le sujet est là. Premier tour de table qui commence par les aspects juridiques, peut-être. Le premier mot, Maître Magala, qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit lorsque nous parlons de Touba Touba, de diarrhée verbale, de manque de discrétion des Congolais? Merci beaucoup. La première chose que je dois dire, c'est que les sujets paraissent très intéressants, effectivement, au vu de ce que nous vivons actuellement. La vie publique est organisée par la Constitution. Et cette Constitution nous donne la liberté de penser, de communiquer et d'agir. Sauf que, et c'est là que le droit de réserve intervient, ceci doit se faire dans le respect des bonnes mœurs, de l'État et de la vie privée. C'est-à-dire que toute la liberté que nous donne la Constitution, c'est d'agir, mais dans un cercle contrôlé. Ne pas nuire à l'État, ne pas nuire aux voisins, et rester dans les bonnes mœurs. Dès que nous quittons notre sphère de liberté, et qu'en communiquant d'une façon ou d'une autre, par la parole, par les réseaux sociaux, par les écrits, nous entrons dans un cercle contrôlé par la loi pénale. Et l'État peut frapper à tout moment. C'est-à-dire que les magistrats sont là, ils peuvent se saisir à tout moment. Et c'est l'aspect que semble ignorer actuellement beaucoup de nos compatriotes. Ils croient qu'en communiquant sur tout et sur rien, ils sont dans l'exercice de leur liberté, alors que ce sont des infractions en continu qui sont en train d'être commises. Vous voulez dire que même l'aspect, sur l'aspect des réseaux sociaux, il y a une législation, ça a été légiféré. La législation existe, existe, mais elle attend la dernière touche au Parlement. Je crois que le Sénat a déjà voté et il reste au Parlement et au chef de l'État de promulguer. Le projet de loi existe déjà, mais ceci ne dit pas qu'il y a un vide juridique. C'est-à-dire même quand la loi est muette, le droit n'est jamais muet. Le droit n'est jamais muet et
dans l'extension de chapelet d'infractions qui existent déjà, il y a des connotations qui peuvent déjà être punies. Sauf que pour le moment, c'est quand même difficile de retrouver qui a fait quoi dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre débat. Ah non, ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'en remontant, et c'est là la grande erreur, en remontant les sources, on peut parvenir jusqu'à la première personne qui a émis l'information. Donc ça, personne n'est à l'abri. On peut parvenir, comme on fait avec le mail et consorts, en retrouvant l'adresse IP de chacun, on peut retrouver la source mère. Très bien. Monsieur Yamba Yamba, quand on évoque ce sujet, quelle est votre réaction, la réaction qui vous arrive à l'esprit tout de suite? Ce sont des questions que je me pose sur la gestion de l'information. L'information est indispensable parce que l'information peut pouvoir sauver la société, mais l'information peut aussi désagréger, démolir, déconstruire toute une société. Et si elle n'est pas bien gérée, ça peut devenir véritablement un danger public. Avec l'évolution du temps, on a compris en fait que hier, peut-être s'il faut entrer en contact avec l'Oualaba, je ne le saurais pas, mais maintenant, je sais ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Oualaba. Ça devient intéressant parce qu'en fait, cette rapidité permet véritablement de déconjectionner l'information. Mais l'idée que j'ai eue, c'est que oui, la rapidité, oui, la disponibilité de l'information, mais quelle information, pour quelle qualité, pour quel ancrage dans la société? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont trouvé un terrain fertile, ou même des graines pourries viennent germer. Il y a des gens qui donnent vraies les informations, mais il y a aussi des gens qui donnent de fausses informations. Et vous savez, même en développement personnel, la discrétion est indispensable. Des grandes décisions stratégiques se prennent dans la discrétion. Des nations ont rendu des grandes performances à cause, véritablement, de la gestion de leurs informations stratégiques. L'impression que j'ai, c'est comme si, aujourd'hui, nous ne savons plus différencier quelle information faut-il mettre à la place publique et quelle information faut-il garder. Et donc, on devient nu. Même l'ennemi peut savoir qu'est-ce que vous voulez. Et donc, l'impression, l'idée que j'ai eue, c'est de dire, c'est aujourd'hui ou jamais, si effectivement les choses ne se régularisent pas, si on ne prend pas conscience de ce qui représente, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de préparer notre propre tombe, à ce moment-là, ça sera trop tard. Et j'ai dit, bon, ça y est, vous avez été inspiré, il faudrait vraiment qu'on en débatte pour que chacun tire sa partition. Merci. Odès Bonigaba. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est que, effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, et selon le degré de responsabilité qu'on peut avoir, on doit être capable de dire, de se dire à soi-même, ça je ne peux pas dire. Alors que vous avez cette information, mais vous-même vous savez que si vous dites ça, c'est nuisible pour le pays, pour la société. Et donc, même si c'est vrai, l'information est vraie, mais vous dites ça je ne peux pas. Aujourd'hui on a l'impression que tout ça a été débridé. Il n'y a plus de limites. Surtout quand c'est une information vraie. On croit que tout ce qui est vrai doit être dit. Alors qu'on doit être en mesure de gérer à toute responsabilité les informations dont on dispose, dont on peut disposer, pour éviter, comme l'a dit mon ami Yamba Yamba, pour éviter des conséquences qui peuvent être catastrophiques pour un pays ou pour une nation. Donc, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un point où on se dit, mais si ça continue comme ça, ben, c'est le désordre total. C'est le désordre total. Donc, il faut, en quelque sorte, tirer la sonnette d'alarme pour dire, attention, faisons en sorte que chacun là où il est, il puisse savoir que on ne peut pas tout dire, même si on a des choses à dire, mais on doit être en mesure de dire non, ça je ne dis pas, surtout en ce moment. Donc les circonstances peuvent être telles que si on dit ça, ça peut déclencher
des réactions inattendues et incalculables. Oui, tout à fait. C'est vrai que on demande aux agents de l'administration une certaine discipline de soi, une discrétion totale. Un document passe devant vos yeux. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est à vous qu'il appartient de le diffuser? Peut-être pas. Si ce n'est pas à vous, laissez passer ce document jusqu'à ce qu'il soit diffusé. Peut-être qu'avant la diffusion, des dispositions seront prises, des dispositions sécuritaires ou des discussions. Mais vous lancez cette information, vous la jetez à la presse publique, ben, vous n'êtes pas responsable. S'il ne vous revient pas à vous de la mettre à la disposition de l'opinion, eh bien, soyez sage, ne le faites pas. La discrétion s'impose à un certain moment. Nous avons l'impression que ceux qui arrivent dans l'administration, ils y arrivent un peu par hasard. Maître Magala, il y a un certain nombre de qualités que quelqu'un qui travaille dans l'administration doit avoir, et parmi ces qualités, il y a bien entendu la discrétion. Parce que il y a des papiers qui viennent de la présidence, des ministères, qui sont diffusés dans le désordre. Effectivement, et on a même l'impression que les agents de l'État et même les agents publics n'ont pas eu le temps de lire la loi sur les statuts des agents de carrière des services publics de l'État. Et encore, il y a même une autre loi importante qui a été prise en 2002, c'est le décret loi portant code de conduite de l'agent public de l'État. Et ces textes sont très clairs sur la qualité qui doit être la discrétion qui caractérise un agent public ou un agent de l'État. Je vais lire, comme ça nous sommes très clairs. La loi sur les statuts des agents de carrière de l'État dit ceci en son article 111. L'agent est lié par l'obligation de discrétion absolue pour les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par, par les prescriptions de l'autorité hiérarchique. C'est très clair. On n'a pas allé à l'encontre, diffuser une information qui appartient à l'État sans autorisation, c'est une infraction. Et même à l'article suivant, il est dit que tout détournement, toute soustraction, toute destruction, toute communication non autorisée des documents administratifs à des tiers sont formellement interdits. Ceci peut conduire même jusqu'à la révocation. Il faut que les gens soient au courant qu'on ne peut pas voir passer un document propriété de l'État et le diffuser comme on le veut sur les réseaux publics ou par tout autre. Pourquoi? Il est facile de retracer les niveaux auxquels un document a été divulgué. C'est parce que apparemment les autorités pour le moment ont décidé de ne pas sanctionner, mais les faits sont là, ils sont punissables de par la loi. Et tout document qui sort, je prends un exemple, on a eu l'habitude de voir des documents du gouvernement circuler sur la voie publique ou sur les réseaux sociaux. Mais on sait voir qu'il n'y a que la personne, soit du secrétariat, soit l'agent du courrier, soit le secrétariat qui est reçu, c'est entre les trois que ça se passe. Donc, il n'est pas difficile de remonter à la source de la commission de l'infraction. Les gens doivent être au courant que ce sont des faits punissables de par la loi. Je parlais tantôt de, comme vous avez dit, que si on insiste trop sur ces sujets, ce n'est pas qu'on veut restreindre la liberté. Non. Au contraire. La Constitution nous dit d'ailleurs en son article 22, je crois, que toute personne... Non, article 23. La Constitution nous dit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, mais sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. C'est clair. Mais quand nous diffusons des images, parce que les gens croient que les réseaux sociaux ne sont pas réglementés, non. Quand on dit image, écrit et parole, c'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les réseaux sociaux. C'est-à-dire on divulgue des informations qui peuvent nuire aux bonnes mœurs, comme les images de nudité, les images
de torture oui. à l'ordre public, c'est-à-dire que vous diffusez des informations qui peuvent nuire à l'État et au respect d'autrui, de la vie privée d'autrui. C'est-à-dire même quand la personne a été filmée dans une position inconfortable ou indécente, mais elle peut se retourner contre vous qui diffusez. Si elle était dans le cadre de sa vie privée, c'est-à-dire elle était entre quatre murs et que vous vous êtes arrangé pour avoir des images qui se sont passées entre quatre murs, vous les diffusez, mais ils peuvent se retourner contre vous pour avoir divulgué sa vie privée. Ça existe, ce sont des infractions qui sont établies. Donc, j'appelle vraiment nos compatriotes à beaucoup de prudence avant d'utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Norbert Yomayamba. Oui, bon, je ne suis pas d'accord avec la culture que nous venons d'adopter depuis les 20 dernières années, où n'importe quelle information, fût-elle stratégique pour la République, soit mise à la place publique. Parce que cela peut nous apporter soit un gain, soit une destruction. Si dans l'hypothèse, nous avons par exemple du matériel militaire qui fait notre force, nous avons un nombre des militaires, même aux États-Unis, quand on vous dit non, ils sont 1 300 000 militaires, ce n'est pas la réalité. Ils savent garder des informations pour que demain, lorsqu'il y a même accrochage, qu'ils puissent véritablement déployer cette force tranquille qui n'a pas été mise à la place publique. Mais chez nous, les choses sont telles que bon, n'importe quelle information doit être mise sur la place publique. Et d'ailleurs, ces informations sont vendues. Je me suis retrouvé à Bukavu dernièrement. Et puis, il y a les agents d'ANR qui sont dans les terrasses, etc. Généralement, ces agents-là ne peuvent pas être devant de la scène pour se dire qu'est-ce qu'ils viennent faire, on ne sait jamais. Mais ce sont les premiers à dire, moi je suis de l'ANR. Mais comment vous, si vous vous dites que je suis de l'ANR, alors vous ne pouvez plus avoir l'information que vous cherchez. Parce que tout le monde aura pratiquement à garder profil bas pour ne pas donner l'information. Mais si vous auriez gardé votre calme, votre discrétion, votre silence, tout en sachant que vous avez un objectif à atteindre, vous aurez pas mal d'informations. Et donc aujourd'hui, sincèrement, la situation devient très 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 compliquée. Certes, on a les réseaux sociaux, il y a des informations qui peuvent être diffusées. Et regardez, vous avez les programmes gouvernementaux par exemple, on a besoin que ça soit partagé. Vous avez le budget de la République, on a besoin que ça soit partagé pour qu'il y ait des feedbacks, des réactions qui permettent à aider l'autorité à prendre une décision correspondante par rapport aux aspirations. Et donc, maintenant, toute information et même des informations, des images de l'autorité dans un endroit caché, Maître l'a dit, etc. Au moins maintenant, ça nous permet véritablement d'affûter les âmes parce que c'est les gens. Et puis bon, voilà, on balance ça sur la place publique. Ce n'est pas correct. Entre-temps, ceux qui ont géré la partie sont connus. Et puis bon, rien n'arrive. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette émission va servir de béquille pour tout le monde, pour que chacun joue sa partition, de manière à ce que on diminue un peu. Quand j'étais, j'ai étudié à Bukavu, je ne suis beaucoup, mais à un moment donné, quand nous étions avec nos frères rwandais, brunais, on était ensemble, et chez eux, pour avoir leur information, c'est tout un problème. Mais nous étions en train de balancer les maréchals, en train de balancer nos ministres, c'est comme qui dirait que les leurs sont le meilleur. J'en ai vu au Cameroun des choses invraisemblables. Moi, j'ai dit, mais nous, on est en train de tirer sur nos autorités. Oh, ici, il n'y a pas de démocratie, mais qu'est-ce qui explique cela? Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la discipline est très indispensable, la discrétion est très indispensable, le silence, parce que le diable arrive là où il y a des détails. Et si on veut balancer tous les détails sur la place publique, à ce moment-là, le diable va se présenter, la société va disparaître. Mon père voudrait dire que le diable est partout chez nous. Oui. Ouais. Merci. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais en même temps. Il faut quand même avoir à l'esprit que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas pour dire aux gens de ne plus parler. Non. Ce serait l'autre excès. Parce que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte.
C'est-à-dire que là, c'est peut-être un agent. Le cas le plus récent et le plus patent, c'est celui de Trump avec son histoire-là avec l'Ukrainien. Donc, l'agent a suivi la conversation entre deux chefs d'État. Il aurait pu se dire, ah, ça c'est quand même secret d'État et tout ça, parce que c'était entre deux chefs d'État. Mais il s'est rendu compte que non, là, Trump était en train de tricher par rapport à sa position. Il voulait, en fait, abuser de sa position pour taper sur un adversaire politique. Donc là, l'agent se dit, non, ici, il n'est plus question d'être discret, il faut dire ça. Ah oui, parce que c'est interdit de faire ce qu'il a fait. C'est interdit de faire ce qu'il a fait. Donc, on est en train de dire ici que la discrétion, c'est effectivement une qualité, mais on n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus jamais dire des choses parce que tu crois que ça risque de créer une situation grave. C'est à vous, vous êtes l'arbitre, c'est à vous d'apprécier pour savoir si ça, c'est l'État qu'il faut protéger et non l'individu, fut-il chef de l'État, ou à ce moment-là, donc c'est vous qui prenez la décision. Mais nous sommes en train de dire que quand vous êtes en position disons semblable, vous devez être capable de prendre la bonne décision, de ne pas tout balancer comme ça parce que vous êtes en face de... Tout à fait. Ce que nous condamnons, c'est cette légèreté, cette innocence qui habite les gens. Hein, vous avez certains secrets qui vous ont été confiés et autour d'un verre, vous les balancez. Parce que nous parlons des relations internationales, par exemple, les informations que ce que nous appelons les espions récoltent ou recherchent, mais aujourd'hui, en tout cas, à Kinshasa, ils n'ont plus beaucoup de difficultés à aller dans les bars, à se dissimuler, puisqu'on les balance sur les réseaux sociaux, ils ont moins de travail qu'ils en avaient il y a quelques instants. Donc, c'est à vous à vous rendre compte que, compte tenu de cette position que j'occupe au sein de la société, il va falloir que je me montre discret par rapport à cette information que je manipule, parce que à la balançant sur la place publique, eh bien, je commets une faute par rapport à mes fonctions si je suis agent d'État. Si vous êtes ami d'un ministre qui vous a confié des choses à garder, vous êtes en train de le tuer, visiblement, en balançant ces informations, pardon, balancer, c'est pas toujours un bon terme, en les mettant à la disposition de l'opinion, alors que c'est une information qu'il vous a confiée sous le sceau du secret, connaissant son importance. Maître Magala. Je voudrais dire deux choses dans la suite de ce que vous venez de dire. C'est que parmi les difficultés que nous ont amené les réseaux sociaux, il y a notamment celle-là. C'est-à-dire que avant les médias, c'était constitué par des journalistes de profession. Aujourd'hui, n'importe quel blogueur ou n'importe quel individu a la même audience qu'un journaliste professionnel. C'est-à-dire qu'il balance. Il publie n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ça a la même audience. Donc il ne suffit d'être journaliste formé qui connaît les limites de ce qu'il doit publier pour avoir une audience. Ça, c'est un premier problème. C'est pour ça, je ne sais pas si l'État voyait déjà dans l'avenir, il avait pris le soin déjà en 2002 de faire un code de bonne conduite pour l'agent public. Et là, quand il dit agent public, ce n'est pas seulement l'agent de l'État. C'est-à-dire, même ceux qui travaillent pour les sociétés mixtes ou les sociétés privées, mais qui ont une tâche publique, sont les agents publics. Donc, même eux sont concernés. Et le code, l'objectif du code, c'était justement de moraliser la gestion de la chose publique. Ce qui semble aujourd'hui déraper totalement. Donc, les gens ont oublié qu'ils ont un devoir par rapport à la gestion de la chose publique. Vous pouvez sortir une information qui va nuire à toute une république,
juste parce que dans l'euphorie, vous n'avez pas vérifié ce que vous devez forwarder ou... Pourquoi? Parce que l'objectif de l'État, c'est de lutter contre les antivaleurs dans les milieux socio-professionnels. Et là, on va encore revenir sur la question de qu'est-ce qui est antivaleur chez nous. Mm-hmm. Je crois qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus. C'est qu'est-ce qui est antivaleur, quelles sont les valeurs que nous défendons. Mais sachant que quand on s'en prend à l'ordre public, au secret d'État, à la liberté d'autrui, on est dans les antivaleurs. On est dans les antivaleurs et l'État peut sévir à tout moment. Les gens doivent être au courant. Et dans ce cadre, l'État avait même défini ce que doit constituer les valeurs de l'agent public de l'État. Et parmi ces valeurs, il a dit, il y a la compétence et l'éthique professionnelle. Chose sur laquelle nous n'insistons pas beaucoup. Il y a la compétence et l'éthique professionnelle. Et dans l'éthique professionnelle, on retrouve certaines valeurs. L'honnêteté, les devoirs de réserve, et que ce soit envers ses autorités ou envers le public, les devoirs de réserve est très important. Et on fait même l'obligation à l'agent recruteur ou chargé de la promotion des agents de vérifier la moralité, l'intégrité morale d'un agent avant de l'embaucher ou de le promouvoir. Ce qui revient à dire que il ne suffit pas d'avoir un message et de le transférer. Vérifiez d'abord s'il est transférable. Est-ce qu'il ne touche pas à l'ordre public? Est-ce qu'il ne touche pas aux intérêts de la nation, aux intérêts de la nation, à la liberté d'autrui? Il faut vérifier tout ça. Vous pouvez même ne pas être agent public, même être parent seulement. Vérifiez si les informations que vous transférez, vous pouvez les transmettre à votre enfant. C'est ça un critère. Est-ce que ce que je transmets, je peux transmettre à mon enfant pour dire que c'est une information transférable? Et on va commencer à peser. Parce que maintenant, ça a attrapé même tout le monde, même les autorités, même les chefs de famille, même les chrétiens, même tout le monde transfère n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Il dit même les chrétiens. C'est une télévision laïque. Les chrétiens, musulmans, bon, tout le monde est... Le pays a plus de 80% chrétiens, donc... Donc les musulmans ne sont pas concernés. Mais tout à fait, non, mais vous avez complètement raison. Parce que nous parlons de ce sujet, certains pour avoir le pouvoir n'hésitent pas à faire des vidéos insultantes, des vidéos dans lesquelles c'est plein de fautes, mais pourvu qu'ils puissent s'attirer les lumières et qu'on puisse le voir pour le placer quelque part, eh bien ce sont des choses à... vraiment à ne plus faire. Parce que les injures que vous proférez, mais même vos enfants les entendent. Alors demain, ne soyez pas surpris que votre enfant commence à débiter le même mensonge. D'ailleurs, à ce sujet, vous nous racontiez une anecdote avec l'enfant d'un ancien cadre des services. Racontez-nous. C'est un ancien directeur d'un service dont l'enfant ne parlait pas lingala. Et le cadre avait offert un jouet, une voiture, un jouet à son fils. Et quand le fils conduisait son jouet là, il injuriait. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit Maman, yo, Xanga, Zoba, yo. Alors le papa n'a pas compris. Il dit: Mais qu'est-ce qui se passe? Il demande à l'enfant: Qu'est-ce qui se passe? Alors l'enfant lui dit: Non, le chauffeur, quand il m'amène à l'école, il dit ça pour que la voiture avance. Donc l'enfant est convaincu que s'il ne dit pas ça, la voiture ne va pas avancer. C'est ça tous les dangers auxquels nous sommes en train d'exposer nos enfants. C'est-à-dire que l'enfant va se dire que si papa déjà peut transférer un message injurieux, donc je suis autorisé d'insulter aussi le papa de l'autre. Voilà. Et puis vous retournez à vous-même le parent, peut-être c'est un jeu. C'est vraiment rigolo. J'espère que vous avez bien compris. Norbert Yobamba. Merci. Je voudrais revenir par rapport à ce que disait tout à l'heure Modeste. Parce que, vous savez, on est trop dans les débats des quartiers. On a difficile à comprendre souvent les discussions, du moins de profondeur que nous faisons. On ne donne pas l'impression qu'on est en train de restreindre les libertés des uns des autres.
Nous affirmons que la citoyenneté responsable pousse à tout un chacun de jouer sa partition, apporter l'information, recevoir l'information. Mais nous disons qu'on a besoin de l'information, c'est vrai, mais il faut bien la gérer pour ne pas brûler le village. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien la gérer pour ne pas, c'est pas créer et disposer la personne privée qui a besoin de l'honneur, qui a besoin de la dignité. Et donc, si nous allons prendre toutes les informations, les mettre dans un moule, où nous on est préoccupé de rien, aucune conditionnalité, etc., là, nous sommes en train véritablement de créer un dégât dans la société. Raison pour laquelle nous disons que nous devons continuer à mettre sur la place publique... À nous informer et à informer les autres. À informer les autres. Parce que si, dans l'hypothèse où il y a un document, par exemple, dans tel ou tel ministère, où on a dégrainé autant d'argent, et que le syndicat peut tomber sur un tel document, il peut le traiter, il peut en faire une déclaration, si effectivement il y a des sources objectives. C'est ça faire le monitoring de l'action publique. C'est ça aussi affirmer la citoyenneté responsable. Ça, ce n'est pas l'information dont nous parlons. L'information dont nous parlons, c'est aujourd'hui, vous avez la possibilité de bien manipuler les nouvelles technologies de communication. Vous prenez la figure de Kibambi Shintoa, et puis vous prenez une dame, vous le mixez. Et vous donnez l'impression que si c'est M. Kibambi qui était quelque part là, vous voulez nuire M. Kibambi. Et ça devient un problème réel dans la société. Et aujourd'hui, c'est légion. C'est légion et ce n'est pas correct. Donc, si nous pouvons essayer de rester correct, si nous pouvons faire un effort pour sélectionner les informations, laquelle permet notre village d'avancer, laquelle permet notre plantation d'avancer, etc., laquelle peut la régresser, si dans l'hypothèse, nous disons, bah, soudain, la bison va zomba. Dernière munition, et c'est Sili. Vous ne voyez pas que vous êtes en train véritablement d'exposer les pays vis-à-vis de ses ennemis. Et là, ça devient un problème. Parce que tous, nous sommes par exemple congolais, copropriétaires, nous sommes des architectes, comme mon frère Modeste a toujours voulu, nous sommes des actionnaires de la République. Alors, si un actionnaire est tenté de vouloir démolir, déconstruire sa propre entreprise, ça devient un danger public. Donc, et faisons un effort pour sélectionner des informations. Ne profitons pas des réseaux sociaux pour envoyer. Je vis quelqu'un, même aujourd'hui, j'ai reçu. Il écrit à la place, par exemple, de Modeste. C'est comme si Modeste qui était en train de dire les choses et il envoie ça. Et donc, ça donne l'impression que c'est Modeste. Oh, ce n'est pas Modeste. Et là, ça devient un problème réel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce qui m'a mis coup de chapeau par rapport à ce que vous faites, autant de sacrifices pour une chaîne privée, de parler des questions publiques qui moralisent et qui permettent, surtout à ce moment où nous sommes en train véritablement de prendre un autre virage, j'ai dit, ok, ça y est, Dieu va annexer sa grâce. Merci. Mais oui, mais parce que Modeste, quand nous étions... de mon bureau est allé jusqu'à dire que nous n'avons pas encore réussi à créer une nation. Quand on voit ce qu'on balance sur les réseaux sociaux, c'est comme si nous n'étions pas effectivement sociétaires de cette nation. Et ça, c'est grave. Modeste. Oui, je crois le... Et c'est d'autant plus grave que la grande majorité de nos concitoyens a un niveau de conscience, un niveau de compréhension des choses assez moyen. Ce qui fait que cette fraction de notre société est facilement manipulable. Et donc, une information destinée à désinformer finalement, peut effectivement avoir des conséquences graves sur la paix sociale, sur la marche de la société. Et donc, nous sommes d'autant plus interpellés parce que nous avons affaire à un auditoire qui n'est pas toujours averti, bien armé, oui, qui n'est pas bien armé pour savoir un peu discerner, pouvoir dire non, là, manifestement, là, c'est vraiment de... Hein, il nous prend pour des idiots.
Et donc, lui-même, le destinataire du message est suffisamment avisé, suffisamment averti pour trouver que c'est vraiment du n'importe quoi. Nous n'avons pas, malheureusement, nous, ce public-là. Nous avons un public qui, d'abord, est morcelé en tribu. Et donc, là, il suffit de lancer quelque chose qui, dans le sens de heurter certaines sensibilités d'une tribu donnée, et c'est le feu. Donc, la responsabilité de ceux qui font ça est d'autant plus engagée parce que ils doivent savoir que une information, surtout lorsqu'elle est fausse, parce que souvent c'est faux, surtout lorsqu'elle est fausse, c'est vraiment une bombe. Et donc, nous nous demandons à tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire qui parfois occupent des postes de responsabilité dans la hiérarchie politique ou sociale, d'arrêter ce petit jeu-là, parce que c'est vraiment, j'espère que la loi va suivre, parce que notre ami Maître Magala a montré que l'arsenal juridique existe, mais il n'est pas suffisamment exploité. C'est pour cela que nous aimerions que ceux qui sont ils se connaissent, ceux qui sont visés par notre émission ici, qu'ils sachent que à un moment ou à un autre, l'État peut toujours rappeler qu'il est là et que la loi, c'est la loi, il faut la respecter. Oui, par exemple, vous trouvez des images indécentes qui engagent une personne qui a des enfants, vous les balancez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous imaginez les conséquences de votre acte? Il a des enfants qui sont à l'école secondaire, leurs amis ont déjà vu ces images, se moquent de ses enfants, se moquent de sa femme. Vous qui avez lancé cette information, ça vous profite en quoi? Parce que vous détestez la personne, vous les envoyez. Est-ce que moralement, vous êtes normal? Non. Moralement, vous avez quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse déceler, une maladie, peut-être non encore connue. C'est vraiment anormal. Et d'ailleurs, même pas, parlant des individus, Modeste en a parlé, vous pouvez balancer une information qui va tomber un desk de sécurité d'un autre pays et qui trouve une faille et qui fait en sorte qu'on pénètre dans cette faille et il y a la guerre. Vous serez peut-être, ou si pas vous, vos frères, parmi les victimes de cette guerre que vous aurez créée sans le savoir. Faites attention. Le Maître Magala, encore une fois, merci parce que vous nous ramenez toujours à la loi. Oui, merci beaucoup. Vous venez d'épingler deux choses majeures, notamment quand vous parliez de la nation. C'est vrai, même avant d'en arriver à la nation, on se demande si on a seulement de l'amour pour le pays. Parce que si on aimait ce pays un tant soit peu, il y a des choses qu'on ne divulguerait pas sur les réseaux sociaux par rapport à notre pays. C'est notre pays, on en a qu'un seul. Il faut d'abord l'aimer. Et parlant de ce que vous venez de dire tout de suite, je dois dire que les gens oublient que la personne humaine est sacrée. Et personne n'est à l'abri. C'est-à-dire, si ça peut atteindre un innocent aujourd'hui, demain ça peut être vous. Donc on a tout intérêt à éviter, à essayer d'éviter de rendre ce canal de communication, bien qu'important, d'y diffuser des images qui n'ont pas, ou des informations qui ne le méritent pas. La Constitution, dans son article 15, nous dit que la personne humaine est sacrée. Et que, un peu plus bas, et que nul être humain ne doit être soumis à un traitement dégradant. Et quand on diffuse ce genre d'images sur une personne, un père de famille, il faut se rappeler que autorité politique ou administrative, c'est d'abord un père de famille qui a droit au respect. Et comme dit bien cet article, il doit être protégé. Et nous devons le protéger. Et même un peu plus loin, le même texte nous dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance. Ce sont les AB vraiment de la Constitution.
Ce sont les AB de la Constitution. Donc, si déjà la Constitution le dit, a fortiori, les lois pénales. Et je reviens pour dire que le droit n'est jamais muet. Je prends une infraction bête. On dit le vol, c'est la soustraction d'un bien meuble appartenant à autrui. Mais si vous volez un logiciel aujourd'hui, vous n'allez pas dire que c'est parce que ce n'est pas un bien meuble que le magistrat va vous laisser partir. Non, il va appliquer la loi. Si vous volez une formule, c'est un vol. Même si ce n'est pas un bien meuble, le magistrat va appliquer la loi. Il va trouver la façon de se conformer à ce qui est déjà écrit et de vous atteindre. Donc, personne ne doit se croire à l'abri. Et c'est comme ça que dans les pays de l'Est, notamment la Chine et la Russie, ils ont mis en place une technologie pour identifier déjà, au départ de l'information, les faits infractionnels. C'est-à-dire, comme les États-Unis l'ont fait par rapport au terrorisme, quand dans un texto il y a bombe, où il y a les services tombent sur... Mais là-bas, c'est déjà, quand vous portez atteinte à la liberté d'autrui, quand vous portez atteinte à l'État, par des mots et des images, l'État peut se saisir déjà de vous. Vous crierez à la violation de la liberté, mais on va protéger l'État ou l'individu en vous attrapant d'abord vous et vous rendre muet pour quelque temps. Oui. Bon, Norbert, nous allons lentement vers la fin de cette émission. Oui. Bon, moi je pense que le mot ou l'élément qui est au centre d'intérêt de cette discussion, c'est la nécessité d'une discrétion dans la société. Cette discrétion va pousser au respect d'autrui, que ce soit aux institutions de la République, respect aux individus, etc., pour ne pas permettre à ce que l'image soit d'un pays, l'image soit d'un individu, soit véritablement foutu à la merde. Cependant... Ça, c'est du Norbert, oui. Et cependant, il faut reconnaître que aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire, c'est pas ce M. Kibambi va me le permettre, est un travail en réalité qui aurait pu véritablement tiquer le gouvernement de la République au travers ses institutions, etc., pour mettre en place, des mécanismes de sensibilisation ou de conscientisation des citoyens. Très souvent, lorsqu'on parle du ministère chargé de la citoyenneté responsable, moi je pense qu'il y a d'en faire un ministère d'incantation, mais ça pouvait bien servir en signant parfois des contrats comme ça avec des télévisions, radio, etc., travailler avec des conseillers, sortir d'un écosystème politique où on ne fait que chanter, crier, etc., et concevoir des modules qui permettent véritablement même de recruter des hommes et des femmes dans leurs services respectifs pour que on puisse ne serait-ce que construire un État où ça fera beau vivre. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste un défi. Ça reste un défi et que cette émission, du moins dans l'essence de sa multidimensionnalité, puisse inspirer, je continue à dire, inspirer le ministère de la jeunesse et de la citoyenneté responsable, y compris la CELI des changements de mentalité qui est installée, qui est rattachée aujourd'hui à la présidence de la République. Mmh. Et si ces services-là pouvaient travailler avec les médias, encore que les médias qui s'occupent de la question, qui sont intéressés, qui en ont une expérience convaincante par rapport à la question, travailler avec les ONG qui travaillent dans ces domaines, les confessions religieuses, travailler aussi avec les partis politiques, chacun joue à sa partition. Vous allez voir, au bout de 5 ans, le Congo va commencer... On va changer de mentalité, on va évoluer. Alors, le dernier mot. Oui, je crois que le sujet, tout le monde aura remarqué que c'était important justement d'attirer l'attention sur ce sujet, parce que on est parti dans
comme si c'était une sorte de surenchère. Mm-hmm. Donc, c'est à celui qui trouvera l'information la plus percutante pour nuire. Mm-hmm. Et il était temps d'attirer l'attention, surtout des responsables. Et le malheur avec les réseaux sociaux, c'est que même un petit sous-fifre quelque part peut allumer le feu. Absolument. Parce que la reprise, l'amplification... C'est instantané. Instantané, c'est ce qu'on appelle, comment on dit ça, ça devient viral, comme un virus. Mm-hmm. Donc, il faut absolument que tout le monde prenne conscience que nous sommes en danger par le simple fait que nous laissons faire et nous n'attirons pas l'attention. Et donc, tout le mérite revient à notre... À votre gourou, dites-le. À notre gourou d'avoir proposé ce sujet parce que, effectivement, il fallait qu'on s'y arrête un moment pour montrer que c'est très important de savoir, en fait, avoir le sens de la mesure. D'accord. Vous savez, je vais donner un exemple. Les enfants sont. On les atteint facilement. Regardez justement dans les réseaux sociaux, même ailleurs, regardez les petits-enfants qui partagent la chambre avec leurs parents. De temps en temps, ils voient des choses qu'ils imitent. Alors, vous lancez comme ça des images obscènes, vous pensez que vous les donnez aux autres, mais peuvent revenir sur vos enfants et en faire... les scandaliser au point que ces enfants peuvent être détruits mentalement par ces images. On ne fera que bonne action en arrêtant de publier, de diffuser ces images obscènes parce qu'elles sont dangereuses. Elles tuent sérieusement et définitivement le mental des enfants surtout. Parce que les enfants, quand ils reçoivent des informations qu'ils ne peuvent pas assimiler tout de suite, et ils se mettent à les copier, c'est la débâcle qui peut être celle de toute une nation. Merci d'avoir suivi ce numéro. Nous attendons vos remarques à la semaine prochaine. Messieurs, merci d'être venus.